Double jeu, c'est une exposition d'art contemporain, mais qui a été construite sur la base d'une scène de crime. C'est-à-dire que quand vous pénétrez dans l'exposition, vous arrivez sur la scène de crime, dans le loft d'un artisan d'art qui a été assassiné, enfin, a priori, puisqu'il n'y a pas de corps, juste un lit avec le drap ensanglanté. La police est déjà passée, a mis des scellés, police scientifique. Il y a du sang un peu partout. Donc, finalement, le visiteur est invité à essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette scène de crime. Et donc, il va voyager comme ça entre l'atelier de la victime, il va se déplacer dans l'atelier de l'assassin. Il va pouvoir voir quel est le rapport entre les deux artisans d'art et pourquoi, essayer de comprendre pourquoi l'un s'en est pris à l'autre, finalement, quel est le mobile. Et donc, en fait, on est amené à mener l'enquête durant l'exposition. C'est-à-dire que si vous êtes complètement néophyte, si vous n'y connaissez pas grand-chose en art contemporain, vous allez y trouver du plaisir parce que vous allez mener cette enquête, et vous allez vous promener dans des ateliers d'artisans d'art. Donc, vous allez voir la manière dont ils travaillent, dont ils fabriquent leurs œuvres. Et si vous êtes amateur d'art contemporain, par contre, effectivement, vous allez aussi être servi puisque il y a des œuvres ici qui sont faites par de grands artisans d'art et artistes. Donc voilà, c'est vraiment une exposition qui peut être vue par beaucoup de profils différents, je dirais. Il y a cette notion de psychologie qui est très forte. Moi, j'aime écrire des histoires psychologiques. Donc, en écrivant la nouvelle et en travaillant sur cette exposition, j'essaie de faire ressortir cette dimension psychologique. Donc, c'est vrai qu'il y a par exemple une des pièces qui est un labyrinthe avec des cordes étirées vraiment dans tous les sens, qui sont un peu pour moi la représentation d'un cerveau finalement, du psyché, alors de l'assassin ou de la victime, ça, il faut essayer de deviner, mais en tout cas, voilà, donc il y a tout un tas d'éléments comme ça, comme des photos très troubles, on se dit mais pourquoi elles sont troubles, etc. Donc on est amené effectivement à entrer dans la tête à la fois de la victime et de son assassin. En fait, le double, il est partout présent dans l'exposition. Il y a des miroirs, par exemple, spéciaux qui dédoublent, en fait, quand on se regarde dedans. Il y a des photos qui sont troubles, où on voit deux personnages. Il y a l'atelier blanc, l'atelier noir. Donc, l'atelier blanc, c'est celui de la victime, l'atelier noir, celui de l'assassin. Donc, moi, j'aime ce thème du double. De manière plus générale, quand j'écris mes histoires, je les écris autour de ce qui se passe dans la tête des gens et surtout quand ça commence à mal se passer, en fait, dans la tête de quelqu'un. Donc, les univers un peu psychiatriques, psychologiques, de la maladie mentale, etc., c'est quelque chose qui me parle et sur lequel je travaille depuis pas mal d'années. Donc voilà, dans la nouvelle, on retrouve un peu cet univers un peu de policier, à la fois policier, mais aussi un peu psychologique et psychiatrique. Aussi, je trouve la beauté de cette exposition, c'est qu'elle mêle tout un tas de métiers d'artisans d'art. C'est-à-dire que vous avez des artisans d'art qui travaillent la plume, qui travaillent le bois, qui travaillent la ferronnerie, la photo, le dessin. Donc, c'était aussi l'objectif de l'exposition, de mêler ces différents métiers pour montrer le savoir-faire d'artisans d'art contemporain. C'est né d'une idée un peu folle de Jean Deloisy, qui est le président du Palais de Tokyo, qui avait lu mes romans, qui met la façon, justement, j'avais aussi le souci du détail dans mes livres, la manière dont je décris mes scènes de crime, la précision. Donc c'est ça qui l'intéressait. Et on s'était rencontrés, il m'a amené dans cet espace où il n'y avait rien du tout, c'était complètement vide. Et il m'a dit, voilà, j'aimerais que vous écriviez une nouvelle. Et ce que vous allez raconter à travers les mots, moi, je vais essayer de raconter la même chose à travers des œuvres d'art, des ambiances et des décors. Donc, en fait, l'objectif, c'était d'écrire une nouvelle, finalement, qui puisse être adaptée en exposition d'art contemporain. Puis, on a beaucoup travaillé ensemble, puisque j'ai écrit la nouvelle. Dans la nouvelle, il y avait des objets, il y avait des décors. Ces décors-là et ces objets partaient vers les artisans d'art,
qui s'appropriaient finalement moi je décrivais un couteau pour l'arme du crime par exemple, un simple couteau, et l'artisan d'art dit ben voilà, le couteau va se transformer en une dague en acier damassé avec un manche en vertèbre de serpent. Donc l'œuvre d'art est ici, et puis et moi j'ai essayé d'intégrer cette description finalement dans la nouvelle. Donc ça a été vraiment quelque chose d'interactif et où on a travaillé vraiment ensemble. Mais comme je suis très curieux et que d'ordinaire je suis plutôt dans les domaines scientifiques, là c'était vraiment intéressant de plonger dans cet univers de l'artisanat d'art, où finalement la notion de meurtre prend aussi sa signification, puisque dans ces métiers-là aussi, il y a des mobiles, il y a des raisons pour lesquelles un artisan d'art peut s'en prendre à un autre artisan d'art. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a une adaptation d'une nouvelle pour une exposition d'art contemporain. C'est assez inédit, hein, surtout même par rapport à mon travail, puisque j'avais déjà fait des adaptations de livres pour la télé, par exemple, donc du scénario. J'ai adapté un de mes propres romans en BD qui n'est pas encore sorti, mais en tout cas, j'ai fait du scénario de BD. Et là, c'est vrai que la demande était très inédite de dire, voilà, d'écrire une histoire qui va s'adapter en exposition d'art contemporain. Alors, la nouvelle, c'est vrai qu'en 20 ou 30 pages, raconter une enquête policière, c'est aussi une idée complexe. Mais en même temps, bon, c'est un bon exercice. Il y a eu pas mal de nouvelles policières. D'ailleurs, quand le roman policier est né, fin dans les années 1800, 1900, ça existait un peu avant, mais Edgar Allan Poe, par exemple, écrivait des nouvelles. Donc, voilà, c'est né de là. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, grâce à cette exposition, c'est que ça va amener aussi des gens vers la nouvelle. Parce que c'est un genre en France qui est assez méconnu. Les gens ne lisent pas beaucoup de nouvelles, contrairement aux États-Unis par exemple. Et donc, ils se rendent compte finalement que quand ils en lisent, ils apprécient vraiment cet exercice. J'aime bien écrire des textes finalement à contrainte. Une fois, j'avais écrit une petite nouvelle sans la lettre. Je crois que c'était la lettre E, ce qui est très compliqué parce que c'est. Mais là, oui, c'était vraiment intéressant d'avoir ces contraintes-là, d'avoir des limites dès le début, de se dire, et finalement on est quand même très libre, puisque une fois qu'on connaît les limites, il reste toute cette sphère dans laquelle on peut écrire et créer en fait. Donc ouais, c'était vraiment quelque chose de passionnant et qui va me laisser vraiment de bons souvenirs.